Bonjour à tous, c'est Teamfish. On se retrouve pour une session en rivière, en canne légère, au pain, en stalking. Donc vous allez voir, je vais ferrer un très gros poisson et que malheureusement j'étais tout seul. Du coup, j'avais pas la grosse épuisette parce que pour la transporter, c'est vraiment un calvaire. Et celle que j'avais n'a pas tenu. Bon, en même temps, vous allez voir qu'elle était pas trop adaptée pour ça. J'espère que la vidéo et le combat vous plairont. C'est parti. Bon allez, on se retrouve pour une partie de pêche au pain encore, en petite rivière. J'ai mis les polarisantes, c'est top. Je vois tous les poissons, il y en a plein devant. Hop. Voilà. C'est pas le meilleur lancer que j'ai fait, mais ça va faire affaire. On va attendre. Attention, touche. Touche. Poisson. Oui. Oui, c'est gros. Oh le papa qui s'est laissé avoir. Alors, pas comme ça. Et elle fait quasiment les 50 aussi. Voilà. Il doit faire 47-48. Hop là. On va le remettre là pour pas que ça te fuit. Ok. Voilà, il est beau. Des belles couleurs. Oh, il est pas très gros en fait, hein. Il doit faire 45. Mais il a mis un beau combat, c'est plaisir. Il est encore très vif. Hein. Et c'est bon, ça repart. Je vois des grosses carpes là-bas, des vaches. Hein. Je vais leur mettre devant. Hop, voilà. Il y a une dessus, elle se roule dessus. Elle revient. Il y a une qui est dessus, mais elle se roule dessus. Genre, hop, tu vas reprendre. Là. Poisson. Elle est énorme. Elle est énorme. Oh la vache. Voilà, 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 voilà. Oh le parpaing. C'est une galère celle-là. Oh là là, c'est un pavé. Hein. Ça a plus rien à faire, mais elle doit faire bien 5-6 kilos. Je sais pas quand je vais la récupérer en bas, on va plonger. Oh oh oh. Ah non, pas par là. Elle a du jus. La machine elle est pliée là. Je vais faire passer comme ça. Allez. Il y en a plein qui me disent resserre ton frein, mais non, je suis en 4 kilos. C'est du fil Twitchven pour ceux qui. À titre de comparaison. Là c'est chaud là. Là c'est chaud parce que elle passe sous les branches. C'est bon. Je vais replonger. Je vais devoir descendre, ça va être chaud. Je vais se débrouiller. C'est bon, j'ai réussi. J'ai encore les épuisettes, c'est bon. Oh ce parpaing. Je suis en train de trembler, je vous jure, elle doit faire au moins 6 kilos. Oh. Est-ce que c'est mon record ça? Est-ce que c'est mon record? Je sais pas. En tout cas, faut qu'elle vienne. Oui, elle vient. Oh. Elle rentre pas. Mais moi je pensais pas qu'il y avait des trucs comme ça ici. Elle rentre pas. J'ai le tapis juste en haut, je vais la mettre dans le tapis, on va se dépêcher. Hop, j'ai le tapis qui est déjà un peu mouillé. Hop, je vais préparer ça.
Oh non, j'ai cassé les pieds, regarde ça. Je viens de la péter. Elle a craqué, là, j'ai senti. Toute neuve, hein. Hop, là, c'est un radion. Nickel. Ah, je suis dégoûté pour les pucettes, regarde ça. Toutes de travers, là. Je dois en racheter une. Allez, on va la remballer comme ça. On va la remballer comme ça, on va la ramener dans l'eau. Bon, du coup, pour l'histoire, j'ai une vraie épuisette carpe qui est dans la voiture. Vu que je fais du stalking, je me déplace et je suis tout seul, je peux pas la prendre. C'est vraiment, c'est trop encombrant, du coup je prends la petite. Je pensais pas faire un poisson comme ça. Oh. Oh. Elle est monstrueuse, ça va faire bien 6-7 kilos. Ma plus grosse de 6, je pense. Super, magnifique, hein. On va la remettre. Allez. Elle est bien gonflée. Hein. Oh, super. Ce pavé, je l'ai vu prendre. Je savais que ça allait faire un combat de malade.